Ne pas ici. Voici le lycée Mamoudzou Nord, qui se situe à Kaweni. Nous allons vous parler des élèves qui font partie de la brigade verte, qui, à chaque après-midi, ramassent les déchets en groupe. Je suis assistant d'éducation. Pour moi, la brigade verte, c'est une bonne idée qu'on peut tout suivre dans l'établissement scolaire. Parce que normalement, ça lutte contre les déchets et tout. Du coup, c'est une bonne idée. Puisqu'il y a Mayotte partout, il y a des déchets partout. Donc aussi, on essaye avec les élèves de ramasser et tout. Ça va mieux pour moi. Par contre, je ne sais pas la personne exactement qui a créé ça. Mais peut-être c'est notre chef. C'est monsieur le proviseur, pourquoi pas, c'est lui peut-être. Mais c'est pas la personne exactement qui a créé ça. Je pense que c'est utile parce que ça aide un peu une ville, enfin la société un peu. Le fait de ramasser les déchets, c'est ça? De ramasser les déchets que les gens jettent, du coup ça pollue moins, un peu moins la nature. La brigade verte, c'est pas de mon initiative, mais ça se fait ailleurs. Mais ici, c'est moi qui ai lancé l'idée avec le proviseur adjoint en début d'année. Parce qu'on a vu que depuis le début de l'année, en fait, le lycée est très 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 sale et il était temps qu'on crée cette brigade pour amener un petit peu de propreté dans ce lycée. En début d'année, on a 62 inscrits. Cette année, on est en phase de test, mais je pense que l'année prochaine, ça sera mieux encadré et mieux structuré. Pour l'instant, comme on n'a jamais fait une réunion générale avec tous les inscrits, pour l'instant, il n'y a pas une sorte d'association Brigade Verte. Ça fait juste de temps en temps, mais pour l'instant, on n'a pas de président. La brigade verte, c'est une très bonne chose pour notre secteur et tout ça. Nos villages et le lycée aussi. Nous sommes dans la brigade verte car nous aimons bien aider les gens. Nous n'aimons pas voir des déchets par terre, en fait. Au moins, ça peut aider les agents parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Et comme ça, on les aide. Ça nous fait mal parce que déjà, c'est pas bien de jeter des déchets partout. Et en plus, c'est dans notre lycée. Là, on étudie quand même. On ne peut pas jeter des déchets partout quand même. Et le pire, c'est que en fait, vu qu'on ramasse, après... Ça sert vraiment à rien parce que vu qu'on ramasse, après ils rejettent encore, donc ça nettoie pas du tout. Ça reste tout le temps la même chose. Malgré tous les efforts, les déchets persistent au lycée. Au-delà de la brigade verte, ce sont tous les élèves qui doivent faire attention à ne pas jeter des papiers, canettes et mégots. Ne pas ici.